Salut à tous, c'est Moltres, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, ouverture de booster Pokémon. Donc, après la première partie que vous avez pu voir dans la dernière vidéo. Donc, j'avais ouvert 6 boosters, dont un booster. Donc, j'en avais 7. Donc, il y en avait un que j'avais fait, que j'avais mis en jeu pour vous, que vous avez pu gagner. Donc, voilà, on se retrouve pour la deuxième partie. Avec les 4 boosters au XY offensive vapeur en français. Le paquet, le booster Pokémon Evolution, donc en anglais, et le booster japonais. Donc je vous rappelle, dedans il y a 5 cartes. 5 cartes. Booster japonais, super sympa, qu'on ouvrira à la fin. Donc voilà, voilà. Donc on va démarrer. On démarre cette ouverture. C'est parti, on commence par les XY. Voilà, allez, on commence. C'est parti. Voilà. Allez. Donc j'espère qu'on va avoir un peu plus de chance qu'à la première vidéo. Ça serait super. Allez. Donc je vais tenter quelque chose. C'est pas grave. On a vu, mais c'est pas très grave. Voilà. Donc si je fais ça. Voilà. On essaye. Si c'est pas bon, c'est pas grave. Allez. On démarre. Un anorite, pardon. Un dresseur Poké Ranger, le Pifeuille, le Scalpion, le Baudrive, le Pyronille, Capuma, Yamna, Furéglon. Donc là on a le Furéglon en reverse. Voilà. Et on a le Timoré en rare. Seulement en rare. Bon. C'est pas très grave. On continue. Allez. Donc du coup, le protocole était bon. Ah là là. C'est pas grave. On a vu le sac de nouveau. Nous on s'en fout. Hop là. Voilà. En espérant qu'il y ait une ultra. Donc là, si c'est une ultra, je vois qu'il y a un petit point blanc. C'est dommage. Bon, on verra. Un gros drive, un l'énergie, persian, sac de nœud, scalpion, moustillon. Ah, il est super joli ce moustillon. Sympa. Le nidoran. Ah, elle aussi, cette carte, je trouve qu'elle est super bien faite. Le trompignon. Le ponita en reverse. Et. Oh, ah, ça c'est du bon. Ouh, je crois que ça va le faire. Allez, on y croit. On y croit. Oh, allez, c'est parti. Le Steelix X. Ah là là, c'est super. Et il tombe le Steelix X. C'est magique. Oh, regardez-moi cette carte. Elle est super. Comme je disais, hein, c'était celle qui avait le petit tout petit point blanc microscopique là, c'est dommage. Mais bon. Ah là là. Ah, on voit aussi qu'elle n'est pas été très bien cadrée. C'est dommage. Mais en tout cas, c'est pas grave. Moi, je suis content. Steelix qui tombe, c'est super. C'est super. Petit défaut d'impression, c'est dommage, mais c'est pas grave. Il est bien là. On l'a eu. Allez, on continue. Je le mets sous pochette. Voilà. Voilà. Super. Une ultra. Allez, on continue. C'est super, c'est super. Moi, ça me fait super plaisir. Allez, on y croit. Alors. Ah. Je veux pas s'ouvrir. Hop là. Voilà. Une, deux, trois. Alors, celle-ci, si je regarde derrière, elle a l'air. Plutôt pas mal. Allez. Un clic. D'accord. Recharge spéciale. Nidorino. On avait eu Nidoran, la Nidorino. Ils sont super bien faits. Le statistique. Bon, un petit peu inutile. Démanta. Elle est sympa.
le tic. Ah, on avait eu... C'était... Ouais, on a eu deux tics. D'accord. Ensuite, le grelasson. Trompignon, encore une fois. Le Poké Ranger en reverse. Et, ah, ça va être une simple, rare. Et le flamboussard qui tombe, voilà. Elle est quand même sympa. Je suis en train de PV. C'est super. On continue. Allez, on continue, on y croit. Il nous faudrait une dernière. Une dernière holographique. Holographique, si possible. Si possible, ultra rare. Ça serait super. Ah, le Nidoran. Ah, excusez-moi, attendez. Hop là. Un peu plus, et j'ai oublié le rituel. Voilà. On continue. Alors, le L'Energie. Le Pofiterol envoûtante. Ok. Un Trousselin, pardon. J'avais jamais vu cette carte. Elle est sympa. Le Nidoran, quelle surprise. Le Trompignon. Le Ferro-Singe. Le Tic, encore un Tic. Le Démanta. Le Marill en reverse. Oh. Allez, c'est pas grave, une rare. Le Bastiodon, qu'on a déjà eu dans la première partie de la vidéo. Voilà. Voilà un petit peu pour les offensives vapeurs. Donc si on récapitule les offensives vapeurs de ma première vidéo et de celle-ci, on est sur... Pour 8 boosters, on a une ultra. Une ultra en 8 boosters. Voilà. Donc c'est pas énorme. Mais il y en a une. Et c'est tout ce qui compte. Voilà. Silikex, super belle. Et je vous montre un petit peu les cartes assez sympas. Reverse. Rare. C'est sympa. Voilà. Hop là. Ensuite, on enchaîne avec le booster Pokémon d'évolution. On y va. Donc, je répète, hein, ce booster, il est en anglais. Donc, voilà. Ah, je ne connais pas le protocole dans celle-ci. Je vais essayer de faire la même chose. On sait jamais. On tente rien, n'a rien. C'est parti. Le Reptincelle. Donc en anglais Charmeleon. Le Professeur Chen. Le Nidorino. Ponyta. Magnéti. Ah, carte mythique du set de base. Le Machop. L'Aspico. Et le Coconfort. Ah, attendez. Il y en a encore une. Ah, c'est la rare. Et... Ah, super. Super. Le Tignon holographique. Oh là là, super. Vraiment. Oh, on est vraiment pas mal. Complètement neuf. C'est super. Oh là là. Pas mal. Ça fait vraiment plaisir, ça, hein. Allez, directement sous pochette. On n'hésite pas. Hop là, je la mets sous pochette, c'est super. Deux ultra rares dans cette ouverture. Alors que à la précédente vidéo, on n'avait pas eu d'ultra rare justement. On n'avait pas eu. Allez, on continue avec le booster japonais, celui qui m'avait fait galérer à ouvrir dans ma première vidéo. Allez, c'est parti. Ouais. Eh ben, l'histoire se répète. Oh là là, c'est abusé. Donc là-dedans, on a que 5 cartes. Allez. Ah bah attends. Ah bon, d'accord. Oh, du coup, c'est pas grave.
Oh là là. Bon, il faut que j'arrive à le choper. Bon, voilà, ça y est. Voilà, comme ça c'était passé à la première vidéo. C'est la grosse galère, ah, c'est pas grave. Hop là. Oh là là, ils sont vachement plus compliqués à ouvrir que les boosters européens. Voilà. Allez, du coup, c'est parti. Le Suicine, super belle. Super belle qui. Oh là là. Elle est vraiment jolie cette carte. On continue. Le Celebi. Donc celle-ci c'était la 10. Là c'est la 1 sur 36. Ah le Mew, super. Ah, elle est magnifique. Vraiment super belle. Oh, vraiment super super belle. La 16 sur 36. Ensuite on a le 30 sur 36. Par contre, allez, on continue. Et le Dark Ray qui tombe super super belle. Oh, c'est vraiment. Mais qu'est-ce qu'elles sont belles ces cartes! Super. Oh, complètement neuve. Elle est magnifique. Magnifique. Donc, entre les deux boosters japonais, on est tombé sur aucune identique. Alors qu'il n'y a que 36 cartes dedans. C'est super. Ah, elles sont vraiment belles. Ça nous fait 10 cartes différentes. C'est magique. Super, super, super. Du coup, je la mets également sous pochette. Et on a dans cette ouverture. Donc, on a un petit peu éclaté la première ouverture parce qu'on avait un petit peu rien eu. Hein. C'était un petit peu décevant, mais ma foi, c'est comme ça. Et là, on tombe sur le Stylix. Le Stylix, pardon, X. Le Tignon Holo. Et le Darkrai en ultra. C'est super. Voilà. C'est super, super. Magique. C'est très bonne partie d'ouverture. On tombe sur des super cartes. Donc voilà, voilà. Un petit peu pour cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. Je compte sur vous pour vous abonner, pour lâcher des likes. Et après tout ça, je vais vous annoncer un petit peu. Alors, pour nos 50 abonnés, déjà 50, on fera quelque chose de spécial. On vous en dit pas plus. Affaire à suivre, mais pour 50 abonnés, on fera quelque chose de spécial. Avec toujours plus de cadeaux, d'ouverture, de retour de brocante. Donc on a le choix, on fera même un petit peu du divers avec un peu de Yu-Gi-Oh, un peu de manga. C'est voilà, ça va être bonus, c'est super. Donc c'est à prévoir. Donc affaire à suivre. Sur ce, passez une bonne journée. Et salut salut.